Soyez les bienvenus dans le nom du Seigneur qui est maître de nos vies et maître de notre temps. Ce soir, l'année se termine. Il est temps de faire un bilan, de terminer cette année, de poser et de reposer nos vies entre les mains du Seigneur. Oui, l'année se termine et comme de coutume, nous voulons la terminer avec le Seigneur et la recommencer avec le Seigneur. Voici venu le temps de faire un bilan, de regarder en arrière sur l'année écoulée et en même temps de regarder en avant, d'oser jeter un regard en avant sur cette année qui s'ouvre devant nous, vivre ce passage, ce seuil de l'ancienne à la nouvelle année avec le Seigneur. Prions. Seigneur, ce soir nous voici réunis dans ta présence. Quelque chose se termine pour nous. Une année se termine et nous voulons la terminer avec toi. Ce soir, nous jetons un regard sur cette année passée et nous voudrions te remettre tout ce qui a été difficile pendant cette année. Tout ce qui a été lourd, nos impasses, la maladie, la nôtre ou celle de nos proches, la perte d'un être cher, la souffrance, tous ces moments où nous avons eu l'impression de ne pas y arriver, d'être abandonnés de toi et des autres. Tous ces moments, nous les déposons au pied de ta croix pour que tu recouvres ces blessures de ton baume de guérison. En jetant un regard en arrière sur cette année, nous voulons te présenter nos sujets de reconnaissance et de joie. Merci pour ces moments qui ont illuminé cette année, pour toutes les raisons que nous avons de te louer, de te dire merci, pour les bonnes nouvelles, pour les moments de joie passés en famille ou entre amis, pour les événements heureux, les mariages, la naissance d'un enfant, pour ces moments où nous avons senti ta présence, pour tous les bienfaits que tu nous as accordés pendant cette année, pour tout ce que tu as fait de bon dans nos vies. Garde-nous, Seigneur, d'oublier de te dire merci. Alors, entends nos cœurs reconnaissants. Amen. Une nouvelle année est passée et nous voilà déjà à attendre l'année 2022. Et ces derniers jours de l'année, le constat est toujours le même partout autour de moi. Le temps passe vite, si vite, trop vite parfois. Ce soir, nous sommes quelque part à la croisée des chemins. Nous laissons derrière nous une année, quelque chose se termine, une page se tourne. Une année est passée, une année, comme toujours, faite de joie et de peine, de réjouissance et aussi de souffrance. Nous laissons derrière nous un certain nombre de choses que malgré tout nous avons apportées avec nous, que nous portons avec nous, des joies pour lesquelles nous pouvons dire merci, mais aussi peut-être des choses difficiles, des mauvais souvenirs, des souffrances que nous traînons avec nous. Des choses qui nous causent du souci, des inquiétudes qui ne nous laissent pas en paix, des angoisses qui nous poursuivent jusque tard dans la nuit, parfois de la culpabilité, des relations difficiles avec nos proches. Chacun d'entre nous traîne avec lui une malle lourde de choses de ce genre-là. Parfois elle est très lourde à porter, parfois un peu plus légère. Je crois qu'en fin d'année, nous avons l'occasion de déposer cette malle devant Dieu, plutôt que de continuer à traîner ces choses avec nous. Nous avons le droit de demander à Dieu de nous aider à porter ce fardeau. Nous pouvons même lui demander de nous en décharger. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous, dit la Bible. Aujourd'hui, en ce dernier jour de l'année, nous est encore donné la possibilité de déposer devant Dieu ce qui est lourd dans nos vies
pour entamer une nouvelle année plus léger. Je crois que les seuils, les passages dans l'année sont l'occasion de vivre ces événements-là. Comment allons-nous terminer cette année? Et surtout, parce que ce soir nous voulons regarder vers l'avant, comment allons-nous commencer cette nouvelle année? Est-ce que nous voulons emporter nos souffrances, nos déceptions, nos regrets avec nous dans cette nouvelle année? Ou alors est-ce que nous voulons quelque part faire table rase ce soir et vivre cette soirée de la Saint-Sylvestre comme un nouveau commencement, un nouveau départ? Qu'espérons-nous? Que souhaitons-nous pour cette nouvelle année? En quoi plaçons-nous notre confiance pour cette année à venir? Que nous souhaitons-nous à nous-mêmes? Que souhaitons-nous à nos familles? Parce qu'il faut bien le dire, on en entend des vœux pour la nouvelle année, on en entend beaucoup, et parfois ces vœux me font réfléchir, ils m'interpellent. Bonne année, bonne santé, que tous vos vœux se réalisent. Bon, parfois, hein, je suis pas sûre que tous mes vœux devraient toujours se réaliser. Hein. De quoi rêvons-nous? Toute la question est de savoir ce que c'est une bonne année. Quand nous nous retrouverons dans un an, que pourrons-nous dire? Quels seront nos critères pour savoir si l'année aura été bonne ou pas? Qu'est-ce qu'il nous faudra cette année pour pouvoir dire le 31 décembre 2022 que nous aurons passé une bonne année? Où mettons-nous la barre? Qu'est-ce qui fait pour nous que la vie est belle ou bonne ou pas? La santé? Donc tous ceux qui sont malades pourront dire qu'ils ont passé une mauvaise année? La réussite? Donc si l'année prochaine je n'ai pas changé de voiture ou pas eu d'augmentation, je pourrais dire que j'ai passé une mauvaise année? Quels sont mes critères? Est-ce que même si je n'ai pas particulièrement réussi, pas été forcément toujours dans la meilleure forme physique, mais si je me suis sentie entourée par mes proches et par Dieu, est-ce que l'année aura été bonne? Le mot d'ordre qui nous est donné cette année nous rappelle la parole de Jésus qui dit « Je ne rejetterai pas celui qui vient à moi ». Cette parole, elle se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 6. Cette affirmation toute simple, toute banale, pourrait nous échapper. Parce qu'on pourrait la prendre négativement, en se disant « Mais après tout, pourquoi Dieu devrait-il donc me rejeter ?» On pourrait passer à côté du message radical de cette promesse qui n'est absolument pas banale. Et en y réfléchissant un peu, je me dis que c'est tout ce qu'il me faut pour commencer cette année 2022. Soyons un peu honnêtes, nous venons pour la plupart d'entre nous de passer deux années bien difficiles. Quand le Covid a commencé en mars 2020, oui, ça fait bientôt deux ans, avouons-le, on s'est dit, allez, 2-3 semaines de confinement et on en sera débarrassé. Quand les experts nous disaient qu'une pandémie mondiale, ça dure 2 à 3 ans, on n'avait pas envie de les entendre. Et là, après presque 2 ans, on est tous fatigués. On ne peut plus en entendre parler de Covid, de contamination, de gestes barrières, de prudence. Malgré nos envies de légèreté, de joie facile, nos vœux pour cette année 2022 ne seront pas aussi insouciants qu'il y a deux ans. Alors peut-être que la seule chose dont nous avons vraiment besoin, c'est de savoir que le Seigneur, lui, il sera toujours là, quoi qu'il arrive. De savoir que peu importe les circonstances de nos vies, peu importe ce qui peut nous arriver, et peu importe même ce que nous risquons de provoquer nous-mêmes dans nos vies, le Seigneur, lui, ne nous rejettera jamais. Nous aurons toujours une place auprès de lui, dans sa présence, au secret de ses bras, toujours. La seule personne qui peut nous empêcher de vivre cette relation privilégiée avec le Seigneur, c'est nous-mêmes, personne d'autre. En quoi, en qui allons-nous placer notre confiance pour cette année à venir? L'avenir est incertain. Nous savons ce que nous quittons, nous savons de quoi cette année 2021 a été faite. Mais nous ne savons pas ce qui nous attend,
Nous ne savons pas où nous allons mettre les pieds pour cette année qui vient. Mais dans la Bible, c'est ce qui est arrivé à de nombreux personnages. Abraham, quand il a dû quitter son pays. Joseph, quand il a été déporté en Égypte. Esther, quand elle s'est retrouvée étrangère au palais du roi. Il y en a plein d'autres. Mais c'est toujours au cœur de leur incertitude et de leur crainte que Dieu s'est manifesté. Je vais vous guider, je vais vous montrer où aller, à chaque pas. Je suis celui qui marche avec vous. Je ne vous laisse pas seul dans le désert de votre vie, ni le jour ni la nuit, je serai toujours là. Que ces promesses puissent retentir à nos oreilles, dans nos déserts, dans nos nouvelles années, dans tous nos nouveaux commencements, dans tous nos espoirs aussi. Alors vous allez me dire oui, mais on ne sait pas ce qui arrivera cette année. C'est vrai, nul ne sait. Peut-être que cette année sera douce et agréable, peut-être qu'elle sera semée d'embûches. Ce n'est pas dans nos mains de choisir notre état de santé, notre situation familiale ou les difficultés que nous rencontrons. Dans nos vies, nous avons parfois besoin de beaucoup de patience et de persévérance pour continuer à avancer. Parfois, on peut même avoir cette impression de ne plus avoir assez de force pour aller de l'avant. Alors nous pouvons prier Dieu de nous donner cette force, d'être cette colonne de nuée ou de feu qui marche devant nous. Parfois, on ne comprend pas pourquoi on doit vivre telle ou telle chose, pourquoi la vie n'est pas plus facile, pourquoi Dieu ne choisit pas un autre chemin. Et si, pour cette nouvelle année, nous choisissions juste de placer notre confiance entre les mains de Dieu, dans cette foi que, quoi qu'il arrive, il choisira le meilleur chemin pour nous. Si nous apprenions simplement à nous confier en lui, « Je ne rejetterai pas celui qui vient à moi », a promis Jésus. Nous pouvons nous confier en cette promesse. Nous pouvons toujours venir à lui. Il est avec nous aujourd'hui et demain, en 2022, comme en 2021. Voilà qui peut nous donner la confiance de nous lancer dans cette nouvelle année, même si nous ne savons pas de quoi elle sera faite. Et quelque part, heureusement, nous n'avons pas besoin d'avoir le courage pour toute l'année, mais juste pour demain, juste pour le prochain pas, ça suffit. C'est un peu ce qui est arrivé à ce chrétien chinois. Il a dit à un ange à la porte de la nouvelle année, « Donne-moi une lumière pour m'éclairer, pour que je voie où poser mes pieds. » L'ange a répondu, « Marche plutôt dans l'obscurité et pose ta main dans la main de Dieu. Cela est bien mieux qu'une lumière et bien plus sûr qu'un chemin connu. » Que dans cette nouvelle année, nous puissions non pas chercher à assurer nos pas ou à éclairer notre chemin, mais qu'avant tout, nous puissions mettre notre main dans la main de Dieu. Il nous promet sa présence à chaque instant dans cette nouvelle année. Amen. Prions. Les années passent, Seigneur. Pourtant, les choses ne changent pas et comme autrefois, nous sommes pèlerins et voyageurs sur cette terre. Nous ne savons pas ce qui vient à nous, nous hésitons. Que va-t-il nous arriver à nous et à notre famille? Qu'arrivera-t-il à notre pays, à notre planète? Oui, nous sommes pèlerins, mais pèlerins pleins d'espérance. Toi, Seigneur, tu n'es pas un point mobile, tu es le rocher qui traverse les temps. Nous te faisons confiance et te prions. Nous te remettons nos vies, Seigneur, et nos familles qui sont si précieuses. Merci d'être présent. Merci d'être ce rocher solide sur lequel nous pouvons nous appuyer dans les temps de joie et dans les temps difficiles. Nous te remettons en cette fin d'année particulièrement les familles qui vivent des temps difficiles, particulièrement les familles qui se déchirent. Nous te prions, Seigneur, d'apporter la paix là où c'est possible, d'apporter la joie. Nous te prions pour l'accueil de ceux qui sont étrangers. Dans ta parole, Seigneur, tu ne te lasses pas de dire que tu aimes l'étranger. Apprends-nous, Seigneur, à ne pas avoir peur,
mais à accueillir ceux qui sont étrangers. Donne-nous la foi de prier pour eux et l'engagement d'intervenir pour eux. Pour cette année qui vient, accorde-nous, Seigneur, la force d'accomplir les petites tâches quotidiennes et de ne pas nous lasser. Donne-nous d'être témoins dans les petites choses. Accorde-nous la sagesse. Préserve-nous des jugements trop rapides que nous pourrions porter les uns sur les autres. Accorde-nous de trouver de nouveaux chemins et l'audace de les emprunter. Pour cette nouvelle année, donne-nous la confiance de placer notre main dans la tienne. Et ensemble, nous prions, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Entrons donc dans cette nouvelle année avec la certitude de la bonté et de l'amour de Dieu envers nous, car il est patient et d'une grande bonté. Prenons le temps de prier et de chanter. Que l'amour soit notre point fort et que l'espérance soit notre ancre. Qu'il nous bénisse, qu'il nous conduise et qu'il nous garde, celui qui est justice et vérité. Allons donc en paix et bonne année. Amen.